$159 en tout. C'est vrai, qu'est-ce qu'on va en faire? Je sais, on se paye une selle, d'accord? Une fois qu'on aura la selle, maman dira oui pour le cheval. Un cheval? Moi j'en veux pas. On a tous bossé, on doit être tous d'accord sur le choix. Doué? Est-ce que Dieu voit tout ce qu'on fait d'en haut? Quoi? Madame Potts, elle dit que Dieu voit tout ce qu'on fait d'en haut. C'est ça, Doué. Tu crois que comme par magie, Dieu y voit sous les toits, hein? T'as pas à t'en faire, on fait rien de mal. Bah alors pourquoi on a tant d'argent? Eh ben, des fois, quand on fait du bien aux autres, il vous arrive des trucs bien. T'es content? C'est vrai. Écoute bien ce que je vais te dire. Les pauvres ont tout ce dont ils ont besoin et nous aussi. On gagne de l'argent, bien sûr. Mais l'église aussi. Tout le monde y trouve son compte et... Ah! On est mal. Une fois qu'on aura la selle, on laisse tomber. On n'aura pas de selle, d'accord? On n'aurait jamais dû se lancer là-dedans. C'est trop glauque. Comment est-ce que t'as pu m'avoir avec tes raisonnements à la noix? C'est toi le responsable. C'est toi qui es le plus malin d'entre nous. Alors c'est à toi de veiller sur nous. Et c'est pour ça que tu iras tout droit en enfer. On ira tous les trois en enfer. Vous savez où est la télécom? Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, on a fait une très grosse bêtise. La plus grosse bêtise qu'on ait jamais faite. Ça va, on se calme, les gars. On va tirer ça au clair. Ça ne pas être si grave. Tout ce fric, vous l'avez volé aux pauvres de l'association? On a pris aussi un peu de... marchandises. Oh non! Vous avez volé tout ça? Des chaînes stéréo et puis des consoles et des... Mais c'est quoi ça, du gruyère? Ça va aller, allez, viens, aide-moi. Il faut m'asseoir. Voilà, tiens. Oh mon Dieu! Doué, va chercher de l'eau. Mes fils sont des voleurs. Relève-le. Respire, allez. Voilà, doucement, voilà. Vous avez volé aussi de l'air? Vous êtes complètement dingue! Ça vous est déjà arrivé de réfléchir aux conséquences de vos actes une seule fois dans toute votre vie? Vous imaginez la honte qui va éclabousser toute notre famille? Et quelle honte! Le plus grave, c'est ce que maman va dire! On va aller tout rapporter à l'association. Ni vu ni connu, je t'embrouille, compris? Depuis le début, ils nous ont laissés tout seuls avec tous ces trucs. C'est de l'incitation au crime! Tu te tais, j'en ai plus qu'assez de vos excuses! J'en ai marre d'avoir des clichés responsables. Oh, c'est pas vrai! C'est Dieu! Il nous voit d'en haut du mais ciel! Mais non, Dieu n'y est pour rien, la voiture est vieille, c'est tout! D'ailleurs, si on va par là, il aurait pu donner un petit coup de pouce à ma carrière de temps en temps. Une petite promotion, ça met du beurre dans les épinards! Donc, tu as peut-être raison, c'est Dieu! Je voudrais pas en rajouter, mais maman passe par là pour rentrer, et elle sort de son travail dans 10 minutes! Oh, on est dans la pourrie! Là, monsieur, vous voulez une chemise? 3 chemises et puis un pantalon pour aller avec. Vous faites du 40-40. Vous êtes fou, j'en veux pas de vos trucs. Pourquoi c'est gratuit? C'est quoi le problème? Y'en a aucun. C'est bon, ça va, je voulais faire à 5$. Ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte, ils me vendent tout ça pour 5$? Pour 5$? Je peux avoir la petite télé pour 5$? Bien sûr, prenez. Approchez. J'ai permis une chaîne compacte. Un amateur? Oui, moi. Oui, on tire, tout ça, c'est à vous? Oh, oui, je sais que je dois avoir l'air suspect, mais je vous garantis que rien de tout ça n'a été volé. Mes fils l'ont rapporté de notre église.